fait, l'association Nos Petites Étoiles a été créée en 2015, hein, suite au décès de notre fils, Yanis, qui est décédé d'un sarcome des Ewing en 2014. Du coup, on a créé Nos Petites Étoiles pour créer une synergie entre toutes les associations qui œuvrent pour les enfants malades ou en difficulté. Ça peut être aussi bien pour réaliser des rêves que pour aider financièrement au quotidien des familles qui sont dans la galère, il faut bien le dire. Donc l'association organise tous les ans deux événements. Donc un événement où on invite les associations à être là et on leur permet d'avoir de la visibilité. Et puis d'autres événements avec notre parrain, donc Elliot, qui est champion de parapente, où on va créer du rêve et créer des événements où les familles vont pouvoir partager des choses. Nos étoiles volantes, donc c'est la journée qu'on a créée, notre nouvel événement associatif, durant lequel on invite en fait des familles entières à voler en parapente. Et ça grâce au soutien de notre parrain, Elliot Nochez, qui est un grand parapentiste de talent. J'avais plein de projets personnels avant, j'avais pas le temps, j'étais trop jeune. Et là cet été je me suis dit j'ai envie de le faire, faut que ça se concrétise. Au moins je me renseigne, savoir si c'est possible de le faire et je les ai appelés, j'ai regardé sur internet comment marchaient les associations dans le monde de l'handicap. Et j'ai trouvé Nos Petites Étoiles qui réunit 60 associations et ce qui est vraiment bien parce que quand on fait une journée comme là, bah, on peut se permettre d'aider plusieurs familles. Aujourd'hui on a reçu 10 familles. Si j'avais aidé une petite association, on aurait pu faire au compte-gouttes. Donc voilà, c'est vraiment la magie et la force de Nos Petites Étoiles, c'est d'arriver à ramener plein d'associations et d'en faire rêver, d'en aider le plus possible pour qu'ils aient la pêche pour se battre.